La décision d'investir aujourd'hui à Blétrand résulte de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que nous avions besoin de régénérer nos capacités de stockage. Et surtout, la principale raison est l'alimentation du site en gaz naturel, et ce qui nous évite de s'approvisionner en camion, et donc beaucoup plus de simplicité, pas de rupture de gaz, jamais, et puis un coût moins important. Les premiers travaux ont commencé au mois de mars l'an dernier et nous avions convenu d'une mise en service et d'une disponibilité du site au 25 septembre. Donc les délais ont été tenus et nous avons pu commencer le séchage du maïs. L'enjeu du séchage, c'est de répondre à une demande de nos adhérents pour justement pas les limiter dans leur faire de récolte, qu'on ne soit pas obligé de les arrêter par manque de capacité de séchage. Donc nous collectons notamment sur le bassin du Jura 17 à 20 000 tonnes de maïs grain sec, donc qui passe systématiquement tout dans le séchoir de Blétrand. En capacité de séchage, nous étions environ à 200 tonnes par jour. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle installation, nous passons selon les humidités entre 800 et 1000 tonnes par jour. Une fois le maïs séché, donc il est stocké sur le site, il est refroidi, stabilisé, et ensuite il est expédié donc soit dans les exploitations agricoles du département pour l'autoconsommation par les animaux. Ensuite, nous avons environ 20% qui est utilisé par la coopérative dans l'usine d'aliments du bétail. Et le reste est commercialisé pour l'alimentation animale, l'amidonnerie ou alimentation humaine, pour être expédié ensuite sur l'Europe. Le montant de l'investissement est très important. Il avoisine les 2 500 000 euros. Mais c'est à ce prix qu'on s'inscrit dans l'avenir avec un outil adéquat, adapté à la production.